Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 6 avril 2020 et la matière qu'on va travailler, c'est l'expression orale. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité, c'est l'unité numéro 10 et je vais vous demander de prendre la page 90 de vos manuels. Donc très bien, donc maintenant, on va passer pour voir, donc passer la grande image sur laquelle on va travailler. Le titre de l'unité, c'est Mes repas de la journée. Mes repas de la journée. Donc le thème sur lequel on travaille, c'est les repas. Donc on a déjà parlé des quatre repas de la journée. On a dit qu'il y a quatre repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Donc maintenant, comme vous voyez, regardez bien, on a deux images. Donc on va déterminer ce qu'on voit dans la première image. Donc regardez bien. Donc qui sont les personnes que vous voyez? Donc c'est la famille de Dina, très bien. On a la maman, Dina, la petite Nora, le papa et Kerim. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la famille de Dina? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Et ils mangent quel repas? C'est le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que, regardez bien la fenêtre, le soleil qui se lève. Et lorsque le soleil se lève, le moment sur lequel on part, c'est le matin. Et pendant le matin, le repas qu'on mange, c'est le petit déjeuner. Donc, regardez bien le papa. Qu'est-ce qu'elle servit à ses enfants? Est-ce qu'il va servir du café? Est-ce que les enfants vont boire du café? Non, ils vont boire du lait. Très bien, donc le papa servit du lait à ses enfants. Donc maintenant, on passe. Donc, regardez bien. Donc, on va refaire. Donc, la première image, on a dit, c'est la famille de Dina qui mange le petit déjeuner. Dina aide sa maman à préparer le petit déjeuner et le papa servit du lait à ses enfants. Maintenant, pour la deuxième image, regardez bien les personnes qu'on a. C'est la famille de Dina avec la famille de Mouna. Donc, la famille de Dina a invité la famille de Mouna. Pourquoi? Pour manger quel repas? Regardez encore la fenêtre, le soleil qui se trouve en haut. Donc, le moment sur lequel on parle, c'est le. C'est le. Donc, très bien, regardez bien. Le moment, donc après le matin, on a le midi. Donc le moment sur lequel on parle, c'est le midi. Et le repas qu'on mange après le midi, donc le moment du le midi, c'est le déjeuner. Très bien. La maman, qu'est-ce qu'elle a préparé? Un ragoût d'agneau. Très bien. Donc elle a préparé un ragoût d'agneau. Qui vous voyez encore? On a le chat Tito. Très bien. Le chat Tito. Maintenant, donc on va rappeler donc ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a quatre moments pendant la journée et quatre repas. Et pour chaque moment, on mange un repas déterminé. Donc, par exemple, le matin, on mange le petit déjeuner. Le midi, on mange le déjeuner. L'après-midi, on mange le goûter. Et le soir, on mange le dîner.